ce texte est derrière nous. Ah bah, mais j'en parlerai. J'en parlerai. On va parler des 64 ans. Si on me dit vous ne pouvez pas en parler, bah, il faudra qu'ils puissent sortir. Hein. Il faudra que, même si on est accueilli, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Ce point-là, c'est le cœur de la réforme sur lequel, depuis le départ, il n'y a pas d'accord. Dans la vie, il y a des moments il faut savoir que reconnaître, il y a aussi des sujets où on n'est pas d'accord. Donc ils sont parlés sur les sujets sur lesquels on est d'accord et pas de se focaliser sur les sujets où on n'est pas d'accord. Bien sûr qu'il y aura une discussion sur les retraites, mais encore une fois, le texte a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous attendons la décision du Conseil constitutionnel, mais ce texte est derrière nous. Si l'idée, c'est de réécrire un texte de loi qui a été adopté au Parlement, je ne crois pas que ce soit l'objectif. Il y aura forcément une conversation autour des retraites. La question aujourd'hui, c'est que quand on est d'accord pour pas être d'accord sur un sujet, est-ce qu'on est capable de parler d'autre chose ou pas ? Moi, je pense qu'on doit parler d'autre chose.